Enfin, après, gros, je peux pas mieux jouer, quoi. Genre, je suis un monstre, là. Ben, je suis désolé, mais mon Timo, il est juste exceptionnel. Oh, t'es Timo, hein. Un petit poison et y a plus personne. Il s'est pris tous les champignons, gros. Il s'est fait désinguer. Bon, messieurs, dames, après 50 tentatives de game de Timo, j'ai absolument envie de faire cette vidéo YouTube pour parler uniquement pour ça du up de Timo sur son Q-Spell. Et on va pas se mentir, c'est très fort. Apparemment, de ce que certaines personnes disent, Timo n'a jamais été autant broken depuis sa sortie. Mine de rien, un petit up, enfin, un up sur un sort peut engendrer énormément de choses. Et alors, je sais pas si vous, récemment, depuis le nouveau patch, vous en voyez beaucoup, mais moi, personnellement, j'en ai croisé pas mal. Je joue exceptionnellement, je précise, ce champion pour la vidéo. Ce n'est pas un champion que je compte main ou autre. C'est juste pour parler un peu du up, pour le jouer, etc. Sans plus, pas besoin de m'insulter dans les commentaires si cette vidéo va sur YouTube en me disant « Péjou, t'es fils de pute, tu joues un range top ». Je ne suis pas un giga fan des range top. Le seul range top que je joue, c'est Kennen, que j'adore le champion. Ça rentre dans le tas et ça défonce tout. Mais c'est tout. Voilà, pas besoin de se justifier plus. Je pense qu'on est bon. Donc voilà, l'aveuglement qui a été buff, moins de CD. La vitesse du projectile est plus rapide. Et le sort est plus puissant et il dure plus longtemps, donc c'est très fort. Donc c'est parti, on y va, on va se régaler, on va cracher sur les gens. Donc là il faut récupérer l'aérie très vite, comme ça le poison réactive l'aérie, ce qui fait qu'avec votre poison vous pouvez faire proc l'aérie deux fois. Voilà, c'est un petit tip ça. Voilà, les dégâts commencent à être assez intéressants. Hop, l'aérie qui va proc encore. Là en vrai, si j'arrive à lui mettre auto Q-Spell Ignite, il est mort hein. Hop, normalement il est mort. Impec. Voilà, c'est très cancer, je sais. Hop, il a TP. Il freeze pas, c'est parfait. Là, il devrait freeze. C'est très bien ce qu'il fait. Il y avait deux là. C'était close hein, en vrai. On peut faire des choses avec ce perso en vrai. Putain, il m'a smoke, j'ai pas pu. Ouah, je suis dégoûté. Voilà. Avec la pression qu'on met, on récupère des plaques. On va faire attention parce que le poison peut activer l'aggro de la tour. Non, mais c'est pas. Honnêtement, c'est vraiment pas un perso qui m'intéresse. Le gameplay, tout ça, c'est pas pour moi, honnêtement. Je suis vraiment 100% honnête avec vous. C'est pas un truc qui me fait kiffer quoi. Hop, max du Q-Spell. On l'empêche vraiment de jouer. Hop, on prend plein de plaques. On a bientôt le Liandry. Voilà, comme ça on a le push. Donc en fait, quand tu joues un perso comme ça, Timo ou quoi, un truc qui arrase beaucoup, si le jungle te dérange pas, t'as vraiment une free lane. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. On se met plutôt bien, on se protège. Voilà, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas trop d'attack speed, mais c'est pas grave parce que je joue beaucoup avec mon Q-Spell. J'ai très peu de CD dessus. Vous imaginez quand même qu'en late game, tu vas avoir ma CD dessus et ton blind dure très longtemps en fait. Donc c'est assez fou. Voilà. Voilà, c'est la seule chose qui pouvait me baiser. Bon, c'est pas grave. Bah après, j'ai quand même 46 d'avance, tranquille. Bah c'est normal, hein, que je me fasse gank. C'est tout à fait legit. Et on va get la tour. Après, get la tour en vrai, ça m'arrange pas tant que ça. Parce que je pourrais plus trop mettre de pression sur le Wukong. Mais bon, c'est pas très grave. Ça me permet d'avoir énormément de ressources. On peut faire un petit Herald en vrai pour mettre la pression. Vu que Grave est botside. Ok. J'ai pas de quoi me soigner, donc on va faire ça. On va reprendre ça. On a les bots de peiné. Ah. Bah merci pour ça, hein, du coup. J'ai strictement tout mis dedans. Je me suis fait bien voler le kill comme il faut. Ça me met bien. Mais en fait, là, le truc, c'est que ça me gêne pas, en vrai, qu'on prenne le kill. Mais quand tu vois que quelqu'un met tout comme ça sur un ennemi, bah, si tu peux éviter de le prendre, c'est vraiment cool, quoi. Putain, c'est vrai que la vitesse du projectile, elle est insane, par contre. Hein. C'est un truc de fou, hein. C'est tellement mou comme gameplay, genre y a rien dans le champion, no joke hein, genre champion il est vide, y a rien.
Oui, je veux faire une vidéo sur YouTube, encore une fois. Putain, mais je pense que je vais devoir me répéter à chaque fois, me justifier pour les gens qui arrivent. What the fuck, PGM sur Timo. Oui, le champion me dégoûte, mais j'aimerais bien avoir une vidéo dessus. Quand même, au moins une. Oh, t'es pétiment, hein. Ouais, le projectile, il va trop vite, hein. C'est un délire. C'est vraiment un putain de délire. Ils sont là. Faut juste mettre des champignons un peu partout, maintenant. Tu mets ça à toutes les entrées, là où il y a que des, y a du passage, hop. Hop, combien j'ai de CD là sur les champis? Oh ta gueule, je l'ai mis ou pas l'auto? Ouais, je l'ai mis. The. Il y a rien dans le champion, même la tête qu'il a, gros, il y a rien. C'est honteux, bon. C'est juste honteux. Et les dégâts qu'elle se prend. Un petit poison et il n'y a plus personne. Hop là. Hop là. Pour les sadiques, non mais j'avoue, c'est un perso de pervers, ça. Il s'est pris tous les champignons, gros, il s'est fait désinguer. On peut le jouer en vrai, je pense. On peut largement le jouer. Il faut juste que je plante des champignons. Oh, ça pêche, hein, on est bien, hein. Oh, le fils de pute. T'as tout cassé, gros. J'étais prêt à la mettre un coup de poing sur la table. J'étais très très prêt là, mais je me suis retenu. Bon, du coup, une minute trente avant de revivre. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut se taper une seg. En 1 minute 30, c'est largement possible. Mais en vrai, je peux en mettre beaucoup parce que si j'ai des champignons toutes les 14 secondes et que ça dure 300 secondes, en gros, je peux en mettre 5. Et après, j'en ai un toutes les 14 secondes. Ça veut dire j'en ai 10 toutes les 140. Ça veut dire 20. Ça veut dire 21 plus 5. Ça veut dire que je peux poser sur la map 34 champignons. Shit, man! Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Allez, oh, c'est bon. M'a gonflé. Allez, hop. Je suis mort. Zizi, il a un achat en champignon, frérot. Incroyable. Incroyable, mon level. Je suis invisible, on est d'accord, hein. Voilà, on est invisible. Attends, attends. L'attaque du fourbe, tu connais ou pas? Oh non, y a pas de champignons, je suis dégoûté. Enfin, après gros, je peux pas mieux jouer, quoi. Genre, je suis un monstre, là. Alors, y a bientôt un Nashor. Qui dit Nashor, dit champignon. Allez, c'est parti. Hop là, un champignon. Encore un champignon. Encore un champignon. Des petits champignons par ici, là, parce qu'il y en a qui vont arriver par là. Un par ici. Ah, ils vont tout. Hop. Au revoir. Petit champignon ici. Hop. Toi, t'es mort.
C'est bon, on a gagné la game là. Bah, je suis désolé, mais mon Timo il est juste exceptionnel. Bah, mon Timo il est incroyable, gros. Hop, petit champignon ici. Oh, on en met de partout, t'inquiète, frérot. On fait un champ de mine. Hop, un petit champignon ici. Alors, il y a bientôt le Drake. On va commencer à planter des champignons. Champignon time. Y'a personne là. Hop. Je savais qu'il y avait personne. Bon, une auto-attaque, frérot, je l'ai implosé. Oh merde. Il meurt lui? Putain, il meurt pas, gros. Putain, mais gros, qu'est-ce qu'il fait avec une chronomètre là? Oh, vas-y. Du coup, j'ai combien de CD là? 3,41. T'imagines? Oh, 3,41 de CD pour 3 secondes de blind. En fait, en gros, un perso qui t'auto-attaque, qui est uniquement basé sur les auto-attaques, ne peut te tuer que sur 0,40 secondes. Mais pas de fils de pute, vous êtes des gros mythos, vous avez pas la... Allez hop, prenez-vous plein de champignons là, allez là, il y en a encore un, hein, juste ici là. Là, il y a des champignons là, go les pousser vers les champignons là. Voilà, allez, boum boum, voilà, let's go. Oh là là, cette équipe, incroyable. Tu crois que si je lui mets plein de champignons là, je vais le manger? Et c'est parti! Un champignon et deux champignons. Moi je l'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas compris, gros. Tu crois qu'il a compris ce qui lui est arrivé? Tu te rends compte qu'avec ce pic, tu forces tellement de brouilleurs en vrai? Et je mets 1002 là. Avec un Q-spell auto, je mets 1002. Allez, c'est game! C'est game! Voilà, Timo OP. Ça y est, on a la game. C'est dans la boîte. Non, je refais pas de game. C'est bon, c'est bon. A plus de Timo là. Merci pour les honneurs. Est-ce que j'ai fait des dégâts ou pas? Ah ouais. Bah ça va en vrai, ça va.